lagouille un petit peu sur. Hello les gens, c'est Lozologue, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur Epic, voilà, on est sur le lobby. Et qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Eh ben, on va faire du Fight Club, voilà. J'espère que ça vous plaira, j'ai rarement fait du Epic Cube tout court sur ma chaîne, mais je pense que c'est quand même un serveur qui est assez sympa, donc pourquoi pas faire des vidéos dessus. Donc on va faire du Fight Club, voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne, et puis bah je vous retrouve tout de suite dès qu'on est en vidéo, voilà, à tout de suite. Et re les gens, se retrouvent donc dans notre première partie de Fight Club. Donc j'ai pris la map Duel, parce qu'il n'y a pas trop de choix non plus, hein. Il y a deux maps, mais Duel c'est une que j'aime bien, donc pourquoi pas faire celle-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la librairie, on va donc le monsieur y descendre, voilà, parfait. Hop, en plus il est affaibli. Alors Mako par contre c'est pas ça là, hein, c'est pas ça Mako. Je sais pas qu'est-ce qu'elle me fait, mais elle est en train de me trahir un petit peu. Bon, tu me diras déjà de base la mienne. C'est pas un truc de fou, mais là elle est un petit peu en train de faiblir là, elle est un petit peu faible là. Bon, on va faire avec, hein, c'est pas grave, mais elle est un petit peu faible en tout cas. Alors on va s'enchanter un petit peu tout ce qu'on a à enchanter. Hop. Alors par contre j'avais vu que j'avais eu, je sais plus quoi, ouais, projectile protection sur les vampires, ça craint un peu ça, c'est pas foufou. Faudrait juste le power 1 qu'on va se faire tout de suite. Et voilà. Maintenant, que faire? On va se faire une charpie 2. Un arc power 2. Et un plastron protection 2. Hop là. Par contre, pourquoi ça me fait ça? Je sais pas. Voilà. Super, on est bon. On va se prendre la Golden Apple aussi, qu'on va me bouffer dès que ce sera bon. Ah bah ça t'a fait tout de suite, c'est nickel. Allez, par contre, qui nous sommes? J'attends de le voir et puis après je vais me claquer la popo. Il est là. Hop là, let's go. Aïe. Ah d'accord, déjà il joue popo de dégâts dès le début, c'est pas très sympa. Voilà. Bon, ça va, c'était pas trop difficile. Il n'y a pas grand chose à entendre sur cette map, si, enfin, sur ce swap là, si je me souviens bien. Je suis pas sûr de ce que je dis. Voilà, c'est juste la protection 3. On se remet la gapple devant. Et on est bon. Enfin, on profite un petit peu pour parler tranquillement. De toute façon, là, on n'a pas grand chose à faire maintenant. Par exemple, on pourrait un petit peu parler d'une question qui m'est pas mal demandée. Est-ce que t'as arrêté les tutos ou quoi? Non, les amis, rassurez-vous. Je suis déjà en train d'en tourner un d'ailleurs, hein. Je vous dis pas sur quoi, mais ça va venir très très bientôt. C'est vrai que j'ai fait un gros break, disons, au niveau des tutos, là. Ça doit faire depuis, je sais plus quoi, peut-être même décembre, novembre, voire novembre, que j'ai pas sorti de tuto, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Je sais pas pourquoi j'ai bouffé ma pomme d'or, mais... Enfin bref, je veux dire, ça va revenir, vous inquiétez pas. Hein. En plus, là, je vais bientôt reprendre les vidéos. Si je pouvais faire genre du daily upload ou une vidéo tous les deux jours, ce serait nickel. Tiens, d'ailleurs, c'est la même map. Ouais, ce serait nickel, voir une vidéo tous les jours ou une vidéo tous les deux jours, vraiment. Ce serait le must. Ça passe pas à travers les barreaux, tiens. Normalement, les flèches, elles passent. De souvenirs, hop là, bon. Ça c'est fait, donc ouais, hein, si je pouvais sortir pas mal de vidéos par jour, enfin par semaine quoi, ce serait vraiment bien.
à faire. Donc on va essayer d'y arriver ensemble. Hein. En plus, on est déjà bientôt 5000 et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Et rien que pour ça, j'aimerais... Enfin, rien que pour ça, pour tout ça, plutôt, hein, ce serait un vocabulaire plus adapté. J'aimerais juste vraiment vous dire un énorme merci parce que, évidemment, c'est grâce à vous et sans vous, je ne serais jamais là. Hein, comme je le dis souvent, quand j'ai débuté YouTube, je m'imaginais jamais arriver genre à 5000 abonnés bientôt. Hein. Ça, vraiment, c'était pour moi hors de l'esprit. Hein, c'était vraiment... J'avais déjà fait quelques chaînes avant que je ne titrerais pas, de par leur qualité. Puis, de toute façon, maintenant, elles n'existent plus. Mais... je veux dire, c'est des chaînes qui étaient allées à 30 abonnés, quoi. Puis après, j'ai arrêté, mais je m'imaginais jamais que cette chaîne allait monter comme ça un jour. Vraiment, là, c'est un truc vraiment incroyable. Donc vraiment, un grand, grand merci à vous tous pour tout ça. Hop là, parfait. Vraiment, un énorme merci à vous tous. Ça fait énormément plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Power 2... Touk... Oh, qu'est-ce que j'ai cliqué? Non, ça va. J'ai cru que j'avais quitté le Minecraft, enfin, que j'étais allé sur le bureau. Parce que vu que je joue pas en full screen... Hop. Ok. Alors, nous allons nous rendre ici. Qu'est-ce qu'on a à faire? Oh, je vais peut-être un petit peu trier le stuff, parce que là... Oh, une canne à pêche, nice, nice. On va vite se mettre ça. Qu'est-ce qu'on a? On veut se faire des jambières P3. Hop. Non, bah non, ouais, on a déjà la sharpness 3, oui. On peut se faire des jambières P3. On va faire ça hein, tout de suite. Hop, sans plus tarder. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'arc power 3 déjà, oui. Est-ce qu'on a les bottes P2? Bottes ou casque, les bottes. Est-ce qu'on a encore un livre P2? Oui, nice. Oh, ma connexion là, je sais pas qu'est-ce qu'elle me réserve comme mauvaise surprise, mais ça sent pas du tout bon. Généralement, quand je suis à une barre, c'est pas très très bon signe. On va voir ce que ça donne, mais là, j'ai des gros doutes sur ce qui va se passer. On va tester le tirage, ouais, ça va. Les flèches, elles arrivent à se tirer quand même, donc je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Hop, on va... se claquer, hop, et on est bon, on va prendre une pomme d'or, on se claque ça, et on est bon, est-ce que c'est, ah non, j'ai claqué l'argène trop tôt, aïe, il fait mal, aïe, il fait très mal, il fait très très mal, il fait très très mal, aïe, il fait mal, je souffre. Que faire? En plus, je lague à mort là, j'ai l'impression. Je sais pas, hein, je veux pas faire le mauvais perdant en mode ouais, je lague. Mais là, c'est pas fou. Ah non, GG. Bon, écoutez, c'était une belle game. Hein. C'était une game bien sympathique. On s'en est quand même pas trop mal sorti. On n'a pas trop fait de la merde, donc franchement, tout va bien. Je vous propose tout de suite qu'on switch sur une autre... Ah merde, qu'est-ce que c'est? Voilà, désolé, il y avait eu un petit bug. Donc ouais, on va tout de suite passer sur une autre partie. Hein. Donc je vous propose qu'on fasse un petit peu cette fois-ci le Final Fight, hein, donc c'est l'autre map. Donc bah on va commencer tout de suite, voilà, bah, à tout de suite. Ok, et bien les gens se retrouvent donc dans cette fameuse deuxième partie, donc qui sera... sur la map Final Fight, voilà, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, je pense que c'est sympathique. Hein. J'ai désactivé d'ailleurs mes shaders, hein, comme vous pouvez le voir, parce que tout simplement, déjà, il n'y a qu'une seule map qui est très très sombre, et puis en plus, mon PC, qui n'est pas forcément très très ouf maintenant, lagouille un petit peu sur. Oh non! Oh mais non! Ah mais non, mais non! Oh non! Oh mais non! Oh punaise, non!
Est-ce qu'il y a pire comme fail que ça dès le début? En plus, enfin, je veux pas être méchant envers l'autre, mais il avait l'air quand même assez facile à battre. Mais oh non. Oh punaise, ce plongeon nul. Mais non. Oh mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire. Oh mais non. Ah punaise. Ah, je suis désolé. Mais là, c'est un petit peu foiré pour cette partie. Bon bah du coup, je pense qu'on va tout de suite switch sur une troisième et dernière partie. Hein. Je pense qu'on peut faire peut-être. On peut repartir sur de la map bah, Final Fight parce qu'on n'en a pas vraiment vu. Vraiment bien vu tout parce que. On n'a pas fait une game de ouf, je pense qu'on peut se le dire. Donc je vous dis à tout de suite bah, pour une autre game de Fight Club. Et re les gens, on se retrouve donc bah, pour la troisième et dernière partie. Donc cette fois-ci, après un beau fail, hein, nous nous retrouvons encore une fois sur Final Fight. Donc toujours pas de shaders, hein, du coup, vu que, comme je vous l'ai dit, ça lagouille. Et puis là, on est que 11, j'ai l'impression, ça va être un petit peu long à remplir, donc bah, je vous fais une petite ellipse et puis je vous reprends dès qu'on est plein. Ok, re les gens, j'ai même pas vu le temps passer, donc ouais, j'ai oublié de prendre l'ellipse. Donc ok, c'est bon, on se retrouve là-dedans, donc on va tout de suite aller tuer le monsieur derrière nous. J'attends un petit peu de le faire tourner et hop là. Hop là, 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 et voilà. C'est comme ça que ça marche. On est bon, donc quoi faire? On va s'enchanter tranquillement. Hop là. Non, pas une breaking. On va s'en. Oh putain. Je suis fort pour m'enchanter sans faire exprès. Sharpness 1, je prends. Protection 1, je prends. Protection 1, je prends. Et Boa 1, je prends. Nickel. Ça peut. Voilà. Ça lag un petit peu. Ça lag un peu beaucoup même. Sharpness 2, knockback 1. Qu'est-ce que. Wow. La connexion SVP. Elle est disparue là. Portée disparue jusqu'à longtemps. Vraiment en train de laguer. Bon, on va faire un petit test, disons de co. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Ouais, ça va aller. Les items pop instant, donc ça a dû revenir. On va tirer une flèche. Ouais, ça va, ça devrait aller. Ça devrait aller. Bon, bah, du coup, on va juste attendre que ça nous re-TP. Je pense que ça devrait pas durer trop longtemps. Niveau stuff, ça va, on devrait être tranquille. On a une sharpness de knockback 1. Ça, c'est important à noter. Hein, knockback 1, c'est quand même un sacré plus. Nous sommes contre Luston. Voilà, bien sûr, grand joueur PvP. On se claque la régène. Oh. C'était une. Je voulais. Oh, par contre, j'arrive quand même à la gouille. Sans. Allez, si tu pouvais dégager, ça m'avantagerait pas mal. Hop là, c'est bon. On s'en est sorti. On va se faire donc un plastron. Attends, il était pas B2 mon plastron déjà? Ah ouais. Bon, bah là, on va se le faire. Protection. Oh. Oups, petit fail. Protection 3, c'est parfait. Est-ce qu'il avait des jambes RP1? Il en avait. Et on est bon. Bah, du coup, je vous propose une petite ellipse hein, jusqu'à ce que ça redémarre. Parce que là, ça va être un petit peu long, je pense. Hein. Voilà. A tout de suite. Et heureux, c'est bon, ça recommence. Donc, vous êtes seul. Ok. J'ai bien fait de pas manger la pomme d'or. Hop là, on redescend. Je fais pas le fail de la dernière fois parce que. Ce serait un petit peu ballot de tomber maintenant. Surtout qu'on est seul, donc ce sera encore plus con comme mort. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Je vais faire des trucs. Alors, ça va paraître très bâtard. Mais en même temps, il y a moyen que ce soit marrant. Parce que du coup, s'il y a quelqu'un qui veut passer et qui se mange ça, ça va être drôle. Alors je fais attention parce que je risque de me manger vraiment ce truc. J'en suis fortement capable, croyez-moi. Mais là, ça va. Okay. Power 2, évidemment. Et on se fait des jambières. Protection 2. Voilà, c'est bon. On est bon. Et puis, on refait une ellipse, hein, forcément.
vu qu'on n'avait pas grand chose à faire, je vais pas bouger parce que sinon c'est un petit peu risqué. Et donc je vous dis à tout de suite lors de la fin de l'ellipse. Voilà. Et voilà, donc c'est en train de nous TP. On va manger une pomme d'or parce que cette fois-ci on est contre quelqu'un. Hop. Non, la flèche totalement ratée là. C'était une flèche assez nulle, on peut se le dire. Yes. 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 Non. On va manger une pomme. Ok, bon, ça va en sortir. Pas trop mal. Non. Yes. 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 Ça va. On devrait l'avoir assez facile. Et voilà, on est bon. Est-ce qu'il avait du stuff vraiment intéressant là-dedans? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? On va aller en bas déjà. Hop là. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les enclos? Ah ouais, mais le jump il est chaud en fait. Donc j'ai juste la cassé et la repassé. Enfin, il est pas difficile le jump, mais à ce stade-là du jeu, en fait, me viander sur un jump comme ça, ce serait un peu bête. Quand même, je pense. Donc on va éviter. Les jambières, non, on peut pas les enchanter plus. Le casque P1, on peut se le mettre P2. Et on est à peu près bon, je pense qu'on peut pas vraiment faire plus. Et voilà, c'est parti pour le fight final. Donc nous sommes contre No Damage. Non, No Damage. Il a voulu marquer No Damage, mais il s'est dit ça serait bien plus sympathique. Oh, 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 oh. Ouais. Ah non, le lag. Laco, reviens. Alors. Oh, je l'ai frappé avec l'arc. Dommage. Et voilà, c'est bon. Bon, c'était une petite game sympathique. On s'en est plutôt bien sorti là-dessus. Donc ouais, c'était sympa. Puis moi, je vous retrouve juste après pour un petit mot de la fin. A tout de suite. Et donc voilà, comme vous l'aurez compris juste avant, c'est la fin de cette vidéo les gens. Comme d'habitude, si elle vous a plu, vous mettez votre petit pouce en l'air, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous avez moyen de le faire, vous partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, même si ça prend un peu plus de temps que mettre un pouce ou de s'abonner. Ça fait énormément plaisir et ça aide beaucoup. Et à vous abonner, bah si c'est pas déjà fait, qu'est-ce qu'il fait mon mouton? Je sais pas. Enfin bref, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite sur ce, comme d'habitude, une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Ça dépend du moment auquel vous regardez la vidéo. Et puis moi je vous dis, portez-vous bien les gens. Et puis merci énormément pour les 4800 abonnés, bientôt 5000. C'est vraiment dingue. Et sur ce, moi je vous dis, ciao.